Yo les gars, CNC, on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui les gars, c'est la fameuse vidéo. Ça fait depuis tellement longtemps que vous me la demandez. Genre vraiment, à chaque fois que je fais des lives sur YouTube, même sur Twitch, tous les soirs, il y a toujours des abonnés qui me disent: c'est quand que tu fais un tuto pour les gemmes? Comment tu fais pour avoir autant de gemmes? Est-ce qu'on peut farmer les diamants comme toi aussi facilement? Les gars, c'est le fameux jour. Aujourd'hui, je vous explique tout les gars, je vous dis tout 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 de A à Z, toutes les meilleures choses qu'il faut faire pour avoir des gemmes. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait moi pour avoir 290 millions de gemmes en une semaine. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Dans cette vidéo, il y a un méga huge à gagner, comme d'habitude. Et aujourd'hui, les gars, le huge à gagner, c'est le shuriken de la part de Phoenix. Le huge shuriken, il est franchement très stylé. Hop, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Mais vous vous rappelez, c'est les huge RNG, les gars. Alors attendez, je vais marquer Phoenix direct, c'est plus rapide. Hop, voilà, c'est celui-là. Et donc, les gars, un max de merci pour Phoenix. Et donc, regardez-moi ça. Franchement, il est très très stylé avec des auras de oufou. Et j'aurais pu le faire gagner dans la vidéo d'avant-hier, puisque bah il y avait une vidéo pet RNG, mais bon, c'est pas grave, je me suis trompé. Et puis, on a aussi, les gars, des exclusifs à gagner. Et aujourd'hui, les gars, je vous fais gagner deux Valkyrie Dog. Du coup, voilà, tous ceux qui veulent participer, vous savez déjà ce qu'il vous reste à faire, les gars. Vous cherchez le code secret pour le huge. Et pour ceux qui veulent pas le huge, vous mettez juste votre pseudo Roblox. Allez, bonne chance à tous. Ok les gars, c'est parti pour tirer au sort les vainqueurs de la vidéo précédente. Et donc c'est parti, let's go. Alors le premier vainqueur c'est Findel. Je participe, le code c'est mettre un emoji. Mon pseudo c'est Tim. Et bah mon frérot, t'as pas mis d'emoji. Certes, il nous a dit le code, mais il a pas mis d'emoji. Du coup, malheureusement pour toi, tu ne vas pas gagner le huge. Bah oui les gars, il a marqué qu'il fallait mettre un emoji, mais il en a même pas mis. Bah oui, quand il y a marqué qu'il faut faire des choses les gars, il faut le faire hein. Ça veut pas dire le code c'est mettre un emoji, sinon ça veut rien dire. Bah oui, sinon si tout le monde marque mettre un emoji, du coup, tout le monde sait c'est quoi le code. Et du coup, bah c'est débile. Alors que si t'aurais juste mis un emoji, t'aurais gagné. Et oui, mon gars, t'aurais pu gagner un huge, mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, tu te tromperas pas. Et y a Kul qui nous dit: Unskew, je t'aime, mon bébou. Et bah frérot, merci, mais t'as pas mis ton pseudo. Donc voilà, t'aurais pu gagner un huge. Et là, on a Gapsot qui nous dit son pseudo avec un emoji. Et bah lui, les gars, il a tout compris. Il a tellement tout compris qu'il a gagné directement le huge à la place de Findel, les gars. Et oui, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Il fallait mettre un emoji. Donc gros GG à toi pour le huge, il est très stylé. Et je te l'envoie directement, cadeau envoyé. Et c'est parti pour le troisième vainqueur, et c'est Gargouille. Mon pseudo Gargouille maître, et le code c'est mettre un emoji. Bah t'as pas mis d'emoji non plus. Bon les gars, comme il a pas mis d'emoji, je pense que je vais quand même lui envoyer un exclusif. Mais du coup la prochaine fois, mettez des emojis les gars. Genre s'il y a marqué le code mettre un emoji, il faut mettre un emoji, il faut pas écrire emoji, sinon c'est débile. Bon ça marche pas ou quoi? Attendez. Ah wesh, il se passe quoi? What? Oh là là, le plus gros bug que j'ai jamais vu de ma vie. Ouah, trop bizarre. En tout cas, voilà, cadeau envoyé. En une semaine, les gars, j'ai fait 300 millions. Donc, ça veut dire que je peux me taper au moins 10 huge là. Je peux acheter 10 huge si je veux. Et bientôt un Titanic. Donc, on espère, on espère. Du coup, voilà, les gars, je vais vous expliquer aujourd'hui comment j'ai fait pour avoir autant de huge. Et là, en plus, on peut voir des rainbows, mais c'est pas fini. Regardez. Enfin, bref, il y a 10 milliards de huge partout. Et puis, je vais vous expliquer comment avoir autant de gemmes que moi. Et puis que tous les joueurs pro. Mais juste avant que la vidéo commence, n'hésitez surtout pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Je ne demande jamais les gars, donc s'il vous plaît, pour une fois faites-le. Je vous demande jamais de vous abonner, donc abonnez-vous. On rush les 10 000 abonnés. Et aux 10 000 abonnés, je vous fais gagner, je pense, une dizaine de huge gratos pour vous. Donc n'hésitez pas. Du coup les gars, c'est parti, let's go. Et n'oubliez pas, si jamais vous avez des techniques que je n'ai pas dit dans la vidéo, parce que peut-être j'en ai oublié, mais je pense pas. Mais si jamais j'en ai oublié, dites-les dans les commentaires. Et puis les gars, j'épinglerai ceux qui trouvent les meilleures techniques. Mais normalement, j'ai tout dit les gars. Du coup, c'est parti. Et on va commencer les gars par les techniques les plus pourries jusqu'aux meilleures. Alors la technique la plus pourrie, c'est de faire vos quêtes quotidiennes. Vous savez, tous les jours, vous avez une quête quotidienne les gars. Par exemple, là, ma quête, c'est gagner 3000 diamants. Donc en plus, c'est bénef. Je gagne des diamants. En plus, je gagne un item avec des diamants. Donc c'est bénef. Et vous avez aussi une quête tous les 3 jours, mais avec des meilleures récompenses. Hop, et vous avez une quête toutes les semaines avec encore des meilleures récompenses. Bon là, c'est des potions de merde, mais c'est pas grave. En plus, c'est des potions de diamants, donc c'est rentable. Du coup, voilà les gars. En plus, très souvent, les quêtes, c'est des quêtes avoir des diamants, casser des diamants, donc c'est cool. Et puis, vous gagnez des items. Et ceux qui n'ont pas le computer comme moi, parce qu'il faut être au dernier rebirth, et bah, allez juste au supercomputer du Void. Ou alors, en Trading Plaza, il y en a aussi un de computer. Du coup, ça, c'était la première technique la plus pourrie, les gars. Moi, je la conseille pas, mais comme aujourd'hui, je fais toutes les techniques de diamant, et eh ben, on va faire toutes les techniques de diamant. La deuxième technique, c'est les rangs. Donc ça, c'est un peu comme les quêtes. Il faut faire vos quêtes, sauf que cette fois-ci, vous gagnez des meilleurs items. Regardez, vous gagnez, hop, 3000, 4000, 2000, et vous avez des items, des fois, qui valent très cher. Genre là, par exemple, regardez, juste en faisant quelques quêtes, je peux gagner 400 000 diamants. Pareil ici, 400 000, 300 000, 200 000, 500 000. Wesh, c'est énorme. Enfin bref. Vous voyez les gars, vous faites vos quêtes,
Et puis même des fois, ceux qui sont très bas level, vous avez des quêtes avec des sacs de diamants directs. Parce que là, moi, comme je suis niveau 30, j'ai que des items. Mais après, les gars, je peux les vendre, bien sûr. Mais du coup, bah, pour vous, vous avez des sacs de diamants. Donc c'est très bien. Donc ça, c'était la deuxième technique la plus pourrie du jeu. Ok, la troisième technique, les gars, c'est les free gifts. Les cadeaux gratuits, les gars. Si vous restez connecté 3 heures par jour sur Pet Simulator, donc ça devrait être facile pour ceux qui sont AFK, et bah vous avez des sacs à chaque fois. En plus de ça, vous avez la chance d'avoir un huge. Bon, ça, c'est pas dans le tutoriel, parce que c'est pas un tutoriel pour avoir des huge. D'ailleurs, j'ai déjà fait un tutoriel pour avoir des huge. Si vous voulez regarder, allez-y, n'hésitez pas. Je vous mettrai peut-être en épinglé la vidéo. Mais du coup, les gars, le huge, on s'en fout. Mais si vous l'avez, c'est cool. En tout cas, dans les sacs, je vais vous montrer ce que vous avez. Regardez. Hop, des sacs de diamants, des sacs de pièces. Bon, les pièces, on s'en fout clairement, 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 clairement. On s'en fout. Mais en tout cas, vous avez des sacs de diamants. Donc ça, c'est très, très cool. Regardez, hop, un sac de diamants, deux sacs de diamants. Vous avez des items des fois aussi, donc c'est cool. Donc ça, les gars, c'est une technique gratos. Vous avez juste à farmer et à attendre patiemment que les cadeaux s'actualisent. Ok, c'était une technique quand même pas ouf parce que ça donne pas non plus des millions de diamants. Et on passe directement à la quatrième technique. Ça va crescendo dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir ma technique à moi. Parce que j'ai une technique particulière que je fais à chaque fois. Et donc ça, je vous le dis en dernier pour pas spoiler tout le monde. Et puis c'est la meilleure technique. Ok, la troisième, la quatrième. D'ailleurs, je regarde sur mon écran de gauche, les gars, parce que j'ai tout noté sur mon bloc-notes. Alors, la prochaine technique, c'est le Forever Pack. Et il y en a qui vont se dire, comment ça, mon ref? Alors les gars, attention, c'est pas le Forever Pack où faut payer. C'est les Forever Pack gratuits. Vous savez, tous les 2 jours, vous avez un item gratuit. Et très souvent, si vous avez remarqué, c'est des sacs de diamants. Des fois, ça peut être des items. Par exemple, moi, la dernière fois, j'ai eu des Pokéballs. Mais très souvent, vous aurez des sacs de diamants. Donc, c'est très important de récupérer l'item gratuit tous les 2 jours. Et puis, si jamais vous voulez mettre 50 Robux par jour, pourquoi pas, hein, ça coûte pas très cher. Vous avez quelques gemmes. Regardez, 400 000, 700 000. Donc, des fois, c'est quand même très rentable de mettre juste 50 Robux. Mais en tout cas, le Forever Pack, vous avez un item gratuit tous les 2 jours. Donc n'oubliez pas, parce que je suis sûr qu'il y en a, ils oublient. Ok, pour la technique suivante, je ne sais plus si on est à la 4ème, la 5ème, la 6ème, on s'en fiche. C'est la technique des pigeons. Voilà, ça, je la mets maintenant, comme ça, voilà. Ceux qui veulent payer, vous payez. En gros, si vous êtes riche, vous achetez tout ça, vous achetez plein d'œufs, vous achetez tous les Game Pass comme moi, vous achetez plein de surf, vous les revendez, vous achetez des boosts, regardez, qui valent 20 millions, 30 millions, vous vendez tout, vous achetez, bah bref. Mais la meilleure technique pour les pigeons, c'est ce petit... Non, j'allais dire un coffre, mais c'est pas un coffre, c'est un livre. Et c'est un livre, les gars, qui vous donne des sacs de diamants à l'infini. Je sais que j'en avais déjà acheté à l'époque, moi. J'ai plus le livre, mais j'avais acheté des sacs de diamants. Bon, je sais plus où ils sont. Et donc, bah, c'est plutôt cool. Je crois que ça donne en moyenne 70 000 diamants par sac. Sachant que si vous farmez le sac et le jeu, bah, vous pouvez avoir facilement beaucoup plus par jour. Vous doutez bien. Du coup, voilà, je voulais mettre juste une parenthèse, les gars, pour les pigeons, les pay to win. C'était une petite parenthèse, voilà. Mais ceux qui n'ont pas d'argent, on va passer aux techniques gratuites, vous inquiétez pas. Mais juste pour vous préciser que ce livre existe et vous pouvez même le vendre pour 700 millions, donc voilà. Plutôt cool. Ok les gars, on continue. D'ailleurs, désolé si je suis excité dans cette vidéo, mais il y a tellement de techniques et de trucs à vous dire que je parle super vite. Ok, la prochaine technique, c'est la daycare. Non pas la daycare exclusive, mais la daycare basique. Dans la daycare basique, les gars, quand vous mettez vos pets, moi je peux en mettre 55 parce que bah, j'ai payé pour en avoir 15 de plus. Mais du coup, vous gagnez déjà énormément d'items. Donc faites-le tous les jours. Dès que vous pouvez faire, vous mettez vos pets. Faut mettre les meilleurs. Donc moi, je mets la dernière zone en rainbow. Et du coup, quand vous les avez mis, vous allez gagner plein de sacs de gemmes. Vous allez gagner des pièces, on s'en fiche. Et vous allez gagner surtout plein d'items. Et vous avez une petite chance, les gars, d'avoir un huge et un œuf exclusif. Donc je vous montre lequel œuf, c'est celui-là. Regardez. Cet œuf-là, les gars, vous pouvez l'avoir gratos dans la daycare. Donc vraiment... C'est très important de faire sa daycare, ça vous fait 300 millions de gemmes d'un coup, comme ça, si vous le vendez. Donc faites votre daycare, je sais qu'il y en a plein qui le font pas, mais faites-le. C'est easy les gars, vous mettez vos pets, et puis voilà. Sachant que moi j'ai déjà fait une vidéo où j'ai eu le huge les gars. Bon je vous spoil, mais ceux qui n'ont pas vu la vidéo, allez la regarder. Alors attends, où est-ce qu'il est? Attends, wesh il a disparu. Attends, me dis pas, attends. Non il s'appelle Alien. Attends quoi? Attends. Ça va pas le faire là, il est où mon huge? Wesh, il... Ah non mais, attends. Les gars je vous jure je l'ai. Ah mais je sais où il est. Ok c'est bon, oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai stressé, j'ai cru que je m'étais fait hacker. Ok je sais où il est les gars, je sais où il est. Vous inquiétez pas. Et ça sera l'une des dernières techniques. Donc restez bien jusqu'à la fin. Mais en tout cas du coup le huge je l'ai déjà. Moi j'ai fait une vidéo si vous voulez aller regarder. Et on s'en bat les couilles, continue. Technique suivante, let's go. La technique suivante les gars c'est les achievements. Alors cette technique elle est plutôt cool. Parce que les achievements il y en a qui sont très simples à faire. Et vous gagnez des très belles récompenses. Bon je vais prendre un exemple au pif. Mais faire des pets rainbow. Et vous avez regardez
un boost à 100 000 gemmes, donc c'est plutôt pas mal. Celui-là, c'est le meilleur. Ouvrez des œufs, les gars. Vous avez juste à ouvrir des œufs et vous aurez gratos, comme ça, un Huge Hunter à 15 millions. Pareil, un petit boost gratuit. Donc ça, les gars, c'est vraiment très simple. Il y a plein de trucs assez simples. Regardez, là, vous avez un boost à 100 000 gemmes. Là, par exemple, vous avez juste à manger des fruits, aussi simple que ça, et vous gagnez 100 000, 1 million, soit 600 000 gemmes. Donc voilà, faites vos achievements. Il y en a qui sont très simples. Donc vous regardez et puis voilà. Tous ceux qui veulent faire les achievements, faites-les. Vous gagnez des récompenses, des gemmes, vous vendez les items, c'est bénef. Donc ça, c'est une très très bonne technique sous-estimée. Ensuite, les gars, l'une des techniques que personne ne fait, c'est tout simplement vendre ses items. Aussi simple que ça. Juste vendre ses items. Regardez, moi, tous les boosts que j'ai. Bon, les œufs, j'en ai pas parce que vous savez que j'ouvre tout le temps les œufs. Regardez-moi tous ces surfs. Regardez tout ça, tout ça. En fait, si vous vendez vos items, vous pouvez être littéralement riche, les gars. Genre, prenons un exemple. Admettons, là je veux vendre mes potions étoilées, les rouges, allez. Regardez, 700 000 gemmes, juste mes potions rouges. 700 000 les gars, alors imaginez tout le reste. Enfin, vous pouvez vraiment être riche en vendant vos items les gars. Surtout il y a des items qui servent à rien, genre vendez tout. Regardez, j'ai 1 million de gemmes en Lucky Block qui me servent à rien. Je pourrais juste les vendre et être riche. Donc les gars, vendez vos items, c'est très important. Sauf les trucs qui valent que dalle. Genre si vous avez un item et vaut 2 gemmes, genre les graines, bah vendez pas, on s'en fout. Mais ce qui vaut cher, vendez-le direct, les gars. Vous allez en Trading Plaza, je vous montre comment on fait. Juste ici, Trading Plaza. Hop, normal ou pro. Je vous conseille normal, même si vous êtes pro, vous allez normal, c'est mieux. Et du coup, voilà. Technique, vendre ses items, aussi simple que ça. Alors, la technique suivante, c'est l'une de mes préférées. C'est le farm. Du coup, le farm, bah, ça va se diviser en plusieurs étapes. Vous avez l'étape 1 pour ceux qui ont le VIP, directement ici. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui est invisible. Bon, j'ai désactivé les pets, mais il y a déjà quelqu'un en train de farmer. Et du coup, les gars, VIP. Vous pouvez aller dans n'importe quelle zone VIP, en Trading Plaza, monde 1, monde 2, monde 3, il y a des zones VIP partout. Et donc vous avez plein plein de gemmes, il n'y a que ça en fait, il n'y a pas de pièces, il n'y a que des gemmes. Et donc les gars, vous pouvez aller dans la zone VIP, ou alors, pour ceux qui n'ont pas le VIP, vous pouvez aller dans la dernière zone du dernier monde. Et je vous promets les gars que j'ai fait un test, et des fois, tu peux gagner autant de gemmes que la zone VIP. Mais c'est vraiment, vraiment les gars. Du coup, regardez, vous restez là. Et vous voyez qu'il y a plein de diamants qui spawnent. Alors que frère, regardez, il n'y a même pas de diamants et pourtant je gagne plein de coffres de diamants. Regardez, là je viens de gagner déjà 500 gemmes en restant une demi-seconde. Donc t'imagines, 500 gemmes alors que je suis resté une seconde. Donc je peux vous dire que si vous restez toute la nuit, vous allez être riche. Et du coup là, si je reste dans cette zone, j'en gagne combien? Ah ouais, c'est un peu moins. Ouais, ouais, ah ouais, c'est beaucoup moins. C'est pour ça, moi je vous conseille vraiment pas d'acheter le VIP en fait. Le VIP, ça sert juste à avoir un texte, regardez, juste là. Il y a marqué VIP et une zone de diamants. Mais farmer dernière zone les gars, je vous jure c'est mieux. Genre vraiment. En plus vous avez des drops d'items. Donc n'allez pas dans la zone VIP les gars. C'est pas parce que vous voyez des diamants que ça veut dire que c'est rentable en diamants. Alors que dans la dernière zone vous avez autant de diamants, voire des fois plus. Et en plus de ça, vous avez des drops d'items. Donc c'est incroyable. En parlant de drops d'items et comment farmer les diamants, ça va être très simple. Ça va se diviser en 4 ou 5 parties. Ouais je crois 5 parties. Alors la première partie c'est les ultimates. Malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas d'ultimate qui donne des diamants. En tout cas, à ma connaissance, parce que je les ai tous. Du coup, pour moi, ce que j'utilise, c'est le Hidden Treasure. C'est l'ultimate le plus rentable. Vous voyez qu'il vaut 1 milliard 800 millions. C'est une dinguerie le prix du truc. Genre là, je peux acheter un Titanic presque. Et du coup, avec cet ultimate, j'ai des drops améliorés. J'ai juste à attendre qu'il se recharge. J'appuie dessus et là, hop, j'ai des drops. Et puis, vous avez juste à l'utiliser tout le temps, les gars. Avec une macro, des trucs comme ça. Et puis ça se fait automatiquement. Et vous avez des items qui drop à l'infini. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. La deuxième étape, c'est les enchantes. Alors les enchantes, là, je suis sur mon enchant d'œuf. Parce que des fois, j'AFK les œufs. Mais du coup, nous, ce qui nous intéresse... Désolé, il y avait un petit moustique qui volait. C'est le loadout diamant. Alors, je sais plus où il est le mien. Je crois que je l'ai enlevé. Mais du coup, alors attendez, je vais remplacer celui-là. Hop. Ce qui nous intéresse, c'est les diamants. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez marquer diamant. Hop, moi j'ai celui-là. Je crois les gars, les enchantements ça se limite à 4 maximum. Donc ça veut dire que si vous en mettez plus que 4, ça sert à rien. Donc mettez-en que 4. Hop. Et après du coup, comme vous avez déjà mis les diamants, vous mettez soit le gros enchant de diamant dans la boutique, regardez celui-là. Ou alors, très simplement, vous mettez des dégâts et des Treasure Hunter. Donc celui-là, vous pouvez en mettre 2 ou 3 de celui-là. Et puis vous pouvez mettre du coup des dégâts. La corruption il est pas mal. Un super magnète, très important super magnète. Ne l'oubliez surtout pas. Si vous n'avez pas de super magnète, vous prenez le magnète basique, celui-là là. Mais bon, il sert pas à grand chose. Je vous conseille le super magnète. Ou alors vous mettez des drapeaux magnètes, donc ceux-là, dans votre zone. Vous en mettez un max.
Et ensuite, en dernier, vous mettez encore des dégâts. Par exemple, moi, je pense que je vais mettre genre le chest breaker pour casser les coffres plus vite. Et aussi, très important, il y a une technique que pas beaucoup de gens font, c'est de mettre, par exemple, genre le massif comète. Comme ça, il y a des comètes qui spawnent, des lucky blocks qui spawnent. Vous mettez aussi le mini chest, ça fait spawn des mini chests. Je sais que j'avais le mini diamant à l'époque, je l'ai vendu. Ça fait spawn des coffres avec des diamants directs. Donc bon, assez rentable. Donc ça, c'est la première étape. Vous n'oubliez pas de mettre plein de trucs de diamants. La deuxième étape, c'est de boire des potions. Moi, ma meilleure potion diamant, c'est celle-là. Regardez, je vais vous montrer. Hop, du coup, ce que vous faites, vous buvez tout. Voilà, vous buvez tout, 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 tout. Et puis comme ça, vous serez bien, vous pourrez farmer à l'infini. C'est vraiment très cool. Ensuite, on va parler des pets. Donc moi, admettons, je sors mes pets. Regardez. Bon, ils sont plutôt beaux les miens. J'avoue qu'ils sont plutôt beaux. Du coup, les miens, hop, ils sont là. Et ce qui est très important, c'est de mettre des charmes dessus. Si vous mettez pas de charmes, ils servent à rien, vos pets. Alors, le meilleur truc à faire, les gars, c'est de mettre des charmes overload sur vos Titanic et vos Huge Rainbow. Comme ça, vous avez deux slots de plus de charmes et vous mettez que du royalty. Par exemple, regardez mon Titanic à moi. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, ceux qui n'ont pas vu, où je l'ai unboxé et tout avec une caméra. Donc, allez voir, allez regarder. Et du coup, regardez, j'ai mis que des royalty charmes. D'ailleurs, il m'en manque un, je vais en rajouter un. Donc c'est pour ça, vos meilleurs pets, vous mettez du royalty et tout. Mais comme c'est un tuto j'aime les gars, mettez des glittering. Le glittering charm, il y en a plein qui l'utilisent pas, mais il est trop bien. Moi, je peux vous montrer, regardez, j'ai glittering presque sur tous mes pets, regardez. Et même des diamants aussi. Glittering, glittering, là j'ai un peu strength, glittering, diamant, glittering. Enfin vraiment les gars. Donc mettez du glittering dans tous vos pets. Et si jamais vous en avez plus, et bah vous mettez diamant. Ça vous fait 10% de plus sur tous vos pets. Donc c'est plutôt cool. Très 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 important de ne pas oublier les charmes, vraiment. Ok, maintenant qu'on a parlé des pets, comment farmer les potions, les enchantes, vous vous mettez au max, des charmes, des bons pets, vous êtes dans la dernière zone. Une fois que tout ça c'est fait, on va passer à la technique suivante. Et la technique suivante, c'est les bagues. Vous savez, il y a beaucoup beaucoup de gift bags, de cadeaux partout. Là aussi, il y en a en haut, juste là. Et bah les gars, sachez que dans certains, vous pouvez avoir des diamants. Regardez, on va tester celui-là. Ah non, c'est vrai, celui-là c'est pas du tout un bag, je suis vraiment gogol. Du coup, regardez, ici on a quoi? On a le mini chest, hop, tu l'ouvres, t'as plein d'items. T'as aussi directement celui-là, hop, qui te donne plein d'items aussi. Vous avez celui-ci, le petit, hop, qui donne plein d'items. Et vous avez, les gars, celui-là, le diamant. Et celui-là, bah, ça te donne des. En gros, c'est comme des bagues, donc ceux-là, mais c'est des bagues diamants. Et donc, ça te donne que des diamants. Et ça peut aller jusqu'à 100 000 diamants, 300 000, donc c'est assez rentable. Si vous arrivez à le trouver, eh ben, achetez-le. Et sinon, les autres bagues, bah, c'est des bagues de pets, on s'en fout. Mais il y a quand même des diamants, regardez, dans tous les bagues, il y a des diamants. Du coup, voilà, très stylé. Et les gars, je vous avais promis que je vous donnerais ma technique secrète. La vraie technique. La technique avec laquelle j'ai eu 300 millions de diamants. Est-ce que vous voulez que je vous le dise? Bah, je vais vous le dire, bien sûr. Je vais vous le dire, mais n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu avant que je vous le dise. Et les gars, c'est parti, dernière technique. Ah là là, je vais devoir vous montrer. Vous allez juste ici les gars, dans le supercomputer. Et vous, est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Les gars, en plus, il y a littéralement un diamant géant dessus. Les gars, ma technique secrète, c'est l'exclusive daycare. Et oui les gars, l'exclusive daycare qui se situe dans le monde 2. Donc ceux qui sont monde 3 ou monde 2, vous pouvez l'avoir. Pas besoin d'être dans le monde 3, vous inquiétez pas. À partir du monde 2, vous l'avez débloqué. Et les gars, regardez-moi ça. Est-ce que vous êtes prêts? Je clique. 3, 2, 1. Oh là 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 là, la dinguerie. Du coup, voilà. C'est là que mon Mibo, il est, les gars. Donc, c'est celui de la daycare. Regardez. Quand vous allez ici, la daycare, et ben vous avez ce huge, normalement. Et ben moi, je l'ai eu dans une vidéo. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Du coup, il est là, mon petit huge. Vous voyez qu'il y a plein de glittering charm dessus. Et en gros, les gars... Ceux qui ne comprennent pas, c'est quoi le but de cette technique? Écoutez bien, ça va être très rapide. En gros, plus votre pet est rare, plus il va vous donner de diamants. Ok? D'ailleurs, pourquoi je ne mets pas mon Titanic, les gars? Parce que je pourrais mettre mon Titanic, parce que mon Titanic, il donne beaucoup, 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 beaucoup de millions de diamants. Mais je le mets pas parce qu'en fait, c'est mon seul Titanic. En plus, il vole, donc si j'en ai besoin, au moins je l'ai. Mais du coup, les gars, regardez, vous vous mettez juste là. Vous mettez tous vos pets les plus rares. C'est que des huge, d'ailleurs, je précise. Et regardez les gars, 5000, 6000, 8000, là je parle de la rareté, hein. je parle pas des gemmes, hein. 2000, 4000, 3000, 4000, 1000, 9000 et 500. Et les gars, quand vous avez des pets à moins de 10 000 exemplaires, donc comme moi, ceux-là les gars, vous les avez peut-être jamais vus. Genre par exemple, regardez, la chouette comme ça,
en blanc, vous l'avez peut-être jamais vu. Le troll doré, vous l'avez peut-être jamais vu. Le yeti, pareil. C'est normal, c'est parce que c'est des pets très rares et en très peu d'exemplaires. Du coup, les gars, comme il y a très peu d'exemplaires, ils me donnent énormément de diamants. Genre vraiment, vraiment. Vous voulez que je vous dise? Je vais vous expliquer, de toute façon, c'est très simple. Du coup, les gars, chaque pet que vous voyez là me rapporte plus d'un million de gemmes toutes les 24 heures. Ça veut dire, tous les jours, vous savez compter, il y a 10 pets, tous les jours, je gagne 10 millions de gemmes. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. Ça veut dire, là, je me connecte une semaine, ou même 3 jours, allez. Je me connecte 3 jours, j'ai 30 millions de gemmes. Et vous savez c'est quoi 30 millions de gemmes ou pas? Est-ce que vous savez? Je vous laisse regarder. 30 millions de gemmes, c'est le prix d'un huge. Voilà, tout simplement. Ça veut dire, les gars, en 3 jours de connexion, je peux m'acheter un huge, gratos. Donc imaginez en un mois, ça vous fait 10 huge. Enfin, c'est une dinguerie en fait. Mais bien sûr, malheureusement, le petit problème de cette technique, c'est que tous les abonnés qui n'ont pas de huge, vous ne pourrez pas faire cette technique parce que vous êtes obligé de mettre des huge dedans. Et d'ailleurs, pour en avoir 10 d'emplacement, c'est très simple, vous devez avoir le ticket. Alors je sais pas où est-ce qu'il est. Ouais, c'est des tickets comme ça, je crois. Ouais, je sais plus. Ouais. C'est un comme ça, mais amélioré. Enfin bref. Du coup, les gars, voilà comment faire. Et vous n'avez pas besoin de payer d'ailleurs. Je sais que les tickets ils sont payants, mais vous pouvez les avoir gratuits en tradant. Donc voilà, faites-le juste ici. Et c'est incroyable. Ça c'est ma technique secrète les gars. Mais vraiment dites-le à personne. Mais du coup pour tous les abonnés qui n'ont pas de huge les gars, vous avez deux solutions. La première solution c'est de participer au giveaway YouTube et sur Discord et sur Twitch. Je fais gagner des huge tout le temps tout le temps. Dans toutes les vidéos il y a un huge minimum à gagner. Dans les lives des fois on fait gagner 10 ou 15 huge par live. Sur le Discord, il y a un huge ou deux huge presque toutes les semaines. Donc les gars, rejoignez le Discord, participez à YouTube. Et comme ça, vous allez avoir des huge. Et dès que vous avez votre premier huge, vous le mettez là-dedans. Et puis voilà. D'ailleurs, très important, mettez 30 jours. J'ai oublié de le dire. Mais 30 jours, c'est très important. Parce que si vous mettez que 7 jours, vous gagnez tellement pas beaucoup de gemmes. Donc mettez 30 jours tous vos pets. Et puis même si vous vous dites, ouais, mais du coup, je les ai plus pendant un mois. C'est pas grave, les gars. Regardez. Vous avez tout ça encore, donc c'est pas grave de mettre des huge dans la daycare. Enfin bref les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner. Et si jamais j'ai oublié une technique, dites-le en commentaire. Mais normalement, j'ai rien oublié les gars. J'ai tout noté sur un bloc-notes, donc je n'ai rien oublié. Mais si jamais j'en ai oublié, dites-le en commentaire. Et puis bonne chance à tous pour le huge d'aujourd'hui. Et puis je crois que j'ai rien oublié. Je suis pas sûr, Ciao ciao les mecs. Ciao 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 ciao. Ciao ciao.